Voici une lettre de Madame de Sévigné à Madame de Grignan. Madame de Grignan est la fille de Madame de Sévigné. Elle vient de se marier et sur le chemin de la Provence, elle a failli se noyer. Sa mère vient de la prendre et lui écrit cette lettre. Ah, ma bonne, quelle lettre! Quelle peinture de l'état où vous avez été! Et que je vous aurais mal tenu ma parole si je vous avais promis de n'être point effrayé d'un si grand péril. Je sais bien qu'il est passé, mais il est impossible de se représenter votre vie si proche de sa fin sans frémir d'horreur. Et monsieur de Grignan vous laisse conduire la barque, et quand vous êtes téméraire, il trouve plaisant de l'être encore plus que vous. Au lieu de vous faire attendre que l'orage fût passé, il veut bien vous exposer et vogue la galère. Ah, mon Dieu, qu'il eût été bien mieux d'être timide et de vous dire que si vous n'aviez point de peur, il en avait, lui, et ne souffrirait point que vous traversassiez le Rhône par un temps comme celui qu'il faisait. Que j'ai de la peine à comprendre sa tendresse en cette occasion. Ce Rhône qui fait peur à tout le monde, ce pont d'Avignon où l'on aurait tort de passer en prenant de loin toutes ses mesures. Un tourbillon de vent vous jette violemment sous une arche. Et quel miracle que vous n'ayez pas été brisé et noyé dans un moment. Ma bonne, je ne soutiens pas cette pensée. J'en frissonne et m'en suis réveillée avec des sursauts dont je ne suis pas la maîtresse. Trouvez-vous toujours que le Rhône ne soit que de l'eau? De bonne foi, n'avez-vous point été effrayé d'une mort si proche et si inévitable? Avez-vous trouvé ce péril d'un bon goût? Une autre fois, ne serez-vous point un peu moins hasardeuse? Une aventure comme celle-là ne vous fera-t-elle point voir les dangers aussi terribles qu'ils sont? Je vous prie de m'avouer ce qui vous en est resté. Je crois du moins que vous avez rendu grâce à Dieu de vous avoir sauvé. Pour moi, je suis persuadée que les messes que j'ai fait dire tous les jours pour vous ont fait ce miracle. Remplissez le formulaire et dites si vous avez bien compris, moyennement compris ou peu compris ce texte. Et je vous dis, à vos ménages maintenant !